La ville de Pointe-à-Pitre accuse 78 millions de déficit. Comment le maire de Pointe-à-Pitre va-t-il faire pour résorber le déficit de sa ville? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Monsieur Jacques Bangou, maire de Pointe-à-Pitre. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur OTV, vous nous écoutez peut-être en radio sur OFM avec RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Anti FA. Notre confrère de la presse écrite, André Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de FA, est avec nous. Également aujourd'hui présent Thierry Fundéry, éditorialiste et consultant. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Yves. Merci de votre présence ici dans les studios de TV comme chaque semaine. Comme je le disais il y a un instant, nous recevons aujourd'hui le maire de Pointe-à-Pitre. Il est également le président du PPDG, vice-président de Cap Excellence. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Face à la Presse. Oui. On embraye tout de suite par une question de France Anti. André Jean Vidal. Il y a quelques mois, c'est 56 millions. Maintenant, ce sont 18 millions. Alors dites-nous, quel est le bon chiffre? D'abord, monsieur Jean Vidal, j'espère que vous m'accorderez qu'il m'aurait été difficile qu'en quelques mois, je puisse dépenser de manière inconsidérée et trouver 25 millions que n'aurait pas... D'où ma question et mon étonnement. Voilà. Mais je pense que la première chose que je dirais sera peut-être de nature à répondre à votre étonnement. Ce décalage aurait pu ne pas s'exprimer par des chiffres publiés comme cela ou assénés comme cela. S'il y avait eu un meilleur dialogue contradictoire, et je suis fondé à relever que tout le principe du dialogue contradictoire ne m'ont pas permis, n'ont pas eu lieu et n'ont pas donné la possibilité de défendre cela. Et c'est ce qui explique qu'il y ait de tels décalages. Mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. Justement, ça montre bien qu'il y a une temporalité dans le dialogue qui s'instaure entre nous et la Chambre, avec tout le respect que je dois aux magistrats, et qu'il nous appartient de corriger cela, et qu'on ne peut pas tenir, en tout cas c'est mon point de vue, on ne peut pas tenir au définitif, bien sûr, ce chiffre de la Chambre, même si ils le fondent sur un certain nombre de critères. Ça, c'est le premier point que j'aimerais dire. Et j'aimerais dire également que, parce que j'ai entendu dans le débat, enfin si débat il y a, en tout cas dans toutes les déclarations que, voilà, pour qui je me prends, qui puisse contester tel chiffre de la Chambre régionale des comptes, et ce n'est pas, encore une fois, un non-respect vis-à-vis de l'institution ou des magistrats qui la composent, mais je veux dire, ce sont des lectures comptables, ce sont des chiffres que nous mettons ensemble, ce sont des appréciations que nous pouvons porter sur la lecture, sur la lecture des lois. Et donc, on m'a ainsi fait le reproche, très fortement, il y a 2 ans, d'avoir contesté qu'on puisse inscrire 25 millions en dépenses, en dépenses d'investissement de la ville dans le cadre de la rénovation. Mais pour autant, le dernier rapport de la Cour des comptes de la semaine dernière, dont on fait beaucoup état des 78 millions, mais on fait peu état du fait qu'ils nous ont donné raison sur ce point. Oui. Mm-hmm. Donc ce n'était pas infondé de notre part. Bon. De même que lorsque nous avons dit à la Chambre régionale des comptes, vous instituez dans votre rapport précédent, vous majorez des travaux qui n'ont pas encore eu lieu, qui vont avoir lieu bien en perspective. Ouais. Vous majorez ces travaux. Mm-hmm. Déjà, vous les inscrivez, ce qui est une lecture atypique, mais qui est, bon, si elle doit l'être, je respecte les décisions de la Chambre de ce point de vue-là. Mais cette inscription nous a heurté. En tout cas, elle n'a pas existé pendant les 12 première année où nous avons présenté nos comptes au contrôle de l'égalité chaque année. On ne nous a jamais dit, c'était sans observation. Comme ça, voilà. Sans observation. Maintenant, s'il faut le faire, on le fait. Mais nous avons dit, attention, il faut faire des rectificatifs. Et même les travaux qui n'ont pas été faits par la ville, ils étaient majorés de 50%. Nous avons fait des remarques à la Chambre et nous remarquons avec beaucoup de satisfaction qu'ils ont quand même tenu compte de cela, puisque ce n'est pas ramené à zéro comme on le souhaiterait, mais c'est ramené à 15%. Tout ça pour dire que nous inscrivons nos remarques dans un dialogue qu'on se veut constructif pour la ville, pour les finances de la ville. Ah, mais ce dialogue, on a l'impression qu'il est un peu biaisé à vous entendre.
Non, je ne veux pas aggraver ou rendre plus difficile des dialogues avec des contrôleurs dont j'assume pleinement, c'est moi, en tant qu'homme politique, en tant que maire, la nécessité, l'utilité de contrôle des comptes publics. Simplement, ce contrôle, il a vocation à être contradictoire. Et ensuite, il faut que, et ce n'est pas simple, parce que c'est quelquefois, il y a une part de responsabilité qui peut nous apporter, par exemple, la grille comptable de la tenue sur la rénovation urbaine. On nous fait le reproche qu'elle est très compliquée et que quelquefois, quand il n'y voit pas suffisamment clair, il bascule tout en dépenses. Nous disons, nous avons la capacité de démontrer le contraire, mais il nous appartient effectivement d'améliorer les outils qui nous permettent ce dialogue. Mais comment y voir clair, monsieur le maire ? D'abord, il faut, je pense, restituer auprès de la population des échelles de vérité, des échelles de compréhension. Lorsque votre journal titre 78 millions de déficit, et je comprends, c'est ce qu'on vous affiche, voilà, donc le citoyen se dit, mais 78 millions, comment on trouvera comment dirais-je encore, où c'est qu'on peut trouver 78 millions ? D'abord, comment il les a dépensés, 78 millions, et un peu comment on fera ? C'est ça, d'où ça vient ? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que, d'abord, la ville de Pointe-à-Pitre, comme un certain nombre de villes, mais particulièrement aggravée sur la ville de Pointe-à-Pitre parce qu'elle a des charges de centralité. Elle repose sur une toute petite base. Je rappelle que Pointe-à-Pitre est la ville, le territoire urbain le plus petit de France. C'est un quart de kilomètre carré. Et donc, sur cela, ça fait des années que la ville dit nous allons vers le mur parce qu'arrivera un moment où, nous n'aurons plus suffisamment de ressources pour assurer le quotidien. Et avec la brusque demande de l'État de par contribuer aux efforts de remboursement de l'État, mais également d'une manière générale avec la baisse des contributions, on est arrivé depuis 2-3 ans à cette période où la ville a du mal et elle n'arrive pas à répondre à cela. Il faut des mesures correctives. La Chambre régionale des comptes nous a demandé d'en prendre. Nous le faisons. Et je voudrais dire au niveau de la population que la situation, elle ne s'aggrave pas. Un exercice budgétaire, c'est-à-dire en réalité de ce que nous avons consommé d'une année à une autre. Nous avons fait, par exemple, entre le compte administratif 2017 et le compte administratif 2018, nous faisons 6,4 millions d'économies d'une année à une autre en fonctionnement. Sur quoi Sur les dépenses générales. Sur les dépenses générales. Ouais. Sur le fait que je ne c'est une politique que j'ai lancée dès le premier jour où j'ai été maire, mais on ne remplace pas les départs à la retraite. Donc nous avons une baisse. Alors, c'est quelquefois un peu compliqué à lire parce que quand je dis qu'effectivement je n'ai pas remplacé sur les 187 départs à la retraite, on ne les a pas remplacés où il y a eu. Il y a 146 postes de moins. C'est un peu masqué par le fait qu'à côté de ça, j'ai intégré dans la masse salariale de la ville les 30 personnes qui étaient à la caisse des écoles et qui participaient de la fabrication du repas, ce qui coûtait à l'époque 12 euros par repas. Pour stopper cette hémorragie, j'ai arrêté la production sur la caisse des écoles. On a externalisé l'achat des repas maintenant à 5 euros au lieu de 12 euros. Et le personnel de la caisse des écoles, on ne l'a pas renvoyé. On l'a sorti de la caisse des écoles et on l'a intégré dans les services communaux. Ce qui fait que quelquefois, on voit qu'il y a des intégrations de personnel nouveau, mais ce ne sont pas des embauches nouvelles. Voilà. Donc, grosso modo, nous avons à peu près, j'avais plus de 700 agents communaux lorsque j'étais maire. Aujourd'hui, il y en a 793. Il y avait plus de 200 agents à la caisse des écoles quand je suis arrivé maire. Il y en a à peu près 138 ou 140. J'aurai le chiffre exact que je vais vous donner. Donc, voilà, nous réduisons progressivement ceci. Maintenant, nous avons à côté deux secteurs sur lesquels il faut porter notre effort, nous faisons notre effort. D'abord, la régularisation de charges souvent anciennes. Et ça, c'est un secteur qu'on ne peut pas faire très vite parce que pour le faire très vite, il faut avoir des économies. Pour avoir des économies, il faut être déjà en équilibre de fonctionnement. Mais nous y travaillons. Et puis ensuite, et nous pourrons le voir tout à l'heure, je suppose que vous aurez des questions sur ça, sur la construction
déduction comptable de l'appréciation de la rénovation urbaine que je construis pour les pointoirs. Oui, pour autant, la Chambre régionale des comptes, on entend ce que vous dites, hein, ouais. Vous reproche de n'appliquer aucune de ces recommandations. C'est d'accord. Ce qui est écrit noir sur blanc. Voilà. On vous reproche d'aller sciemment dans le mur. Voilà. Et j'en ai été très surpris, Thierry Fenderé. Non, vraiment, parce que... Je pense d'ailleurs que c'est lié au fait de non prise en compte des échanges de courriers ou des échanges d'éléments fournis par la ville. Mais pour autant, je transmettrai à la presse comme à la population 80, les mesures que nous avons prises. Nous avons mis chapitre par chapitre toutes les recommandations qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes. Au moment où je vous parle, je peux vous affirmer que 90% des recommandations de la Chambre des comptes ont été prises en compte. Et que 10% sont en cours. Il n'y en a aucune qui a été éliminée de fait. Mais ensuite... Donc vous avez un problème avec la CRC. Attendez. C'est un complot Non, ne m'engagez pas sur cela. Il y a deux manières, par exemple, de lire la réduction des charges de personnel. Il y a la nôtre qui est de dire, l'année dernière, 13 personnes sont parties à la retraite. Nous avons eu... une embauche qui est celle de directeur ressources financières qui était nécessaire pour notre... L'année précédente, il y a eu 19 personnes qui sont parties à la retraite. Nous avons eu 3 embauches, dont une directrice aux ressources humaines, donc des points très essentiels. Et puis, il y a l'approche qui est de dire, nous regardons quelle est la masse salariale cette année-là. Eh bien, la masse salariale en 2018, elle a augmenté. Non, enfin, elle a augmenté, elle s'est pratiquement de très très peu. Non pas alors que nous avons eu près de 20 personnes en moins, simplement parce que la même année, le président de la République décide d'augmenter, de changer la règle sur le calcul des indices des indices qui permettent la rétribution des agents et qu'il y a naturellement une augmentation de ce qu'on appelle 3,45% du glissement vieillesse, etc. Je fais remarquer de ce point de vue-là, sur la masse salariale par exemple, que quand j'étais maire, la masse salariale était, quand j'ai été maire pour la première fois, en 2008, la masse salariale était autour de 26-27 millions. Elle est aujourd'hui à 1 million près la même, près de 12 ans après, alors que s'il n'y avait pas eu les efforts que nous avions faits, cette masse salariale serait aujourd'hui à nombre d'agents égal, elle serait aujourd'hui de 36 ou de 37 millions. Donc nous avons maîtrisé sur plus de 10 millions cette masse salariale. Maintenant, il faut continuer ces efforts parce qu'encore une fois, nous n'avons pas le choix d'arriver à un équilibre dans l'année de fonctionnement, un équilibre budgétaire qui permette, avec les ressources qui ont diminué, mais qui sont ce qu'elles sont, arriver à répondre à l'ensemble des charges de centralité de la ville et en plus faire quelques économies qui nous permettent de retrouver la capacité d'autofinancement et surtout de régulariser toutes les dettes antérieures. André-Jean Vidal, une question. Toujours sur les spécificités locales. Il y a un déficit de toute façon. Il n'est pas de 60. Oui, absolument. La Chambre régionale des comptes dit 78 millions. Ouais. Et vous, combien dites-vous? Je pense sur les éléments qui sont les miens. Absolument. Oui. Okay. Et encore une fois, je ne veux pas présenter ça comme une contestation systématique. Non, c'est pas une contestation. C'est logique. La ville, oui. Avec toutes les régularisations qu'on lui demande de faire, elle a un déficit qui est aux environs de 35 à 37 millions. D'ailleurs, nous avions demandé dans notre avis, dans notre réponse à l'avis provisoire qui a été fourni par la Chambre régionale des comptes, de tenir compte de ce nombre de rectificatifs et d'indiquer que ce déficit ne soit entre guillemets que de 39 millions, ce qui est déjà beaucoup. Mais encore une fois... Ça fait une sacrée différence. Parce que ce sont des 8 millions psychologiquement. Mais forcément... C'est dur. Vous pensez bien que je suis le premier... J'étais le premier estomaqué parce que ça ne reflète pas les efforts que fait la ville depuis quelques années. Ça ne reflète pas...
dans l'esprit des gens la réalité de ce qu'est réellement la dette. Oui, c'est ça. Parce que si ensuite on me fait la démonstration qu'il faille inscrire des millions supplémentaires sur des investissements que je n'ai pas encore faits, encore faut-il que j'aille expliquer à la population qu'on nous demande d'inscrire dans un déficit des dépenses qui ne sont pas la dépense de construction d'une école, l'école Félix Eneval, 13 millions, ou des maisons sociales d'Henri IV ou de Louis VI, qui a hauteur, elle aussi, de 6 ou 7 millions, et qu'on leur dise, voilà, ceci, on nous demande d'inscrire cela comme participant du déficit. Êtes-vous d'accord? Est-ce que nous continuons dans cette voie ou pas? Ma philosophie, mon engagement politique, c'est de dire, je continuerai de me battre pour qu'il y ait une école supplémentaire qui me mette en sécurité. Les enfants, mais nous avons des choix à faire. Mais ça, c'est pour moi la réalité des efforts sur lesquels nous devons la ville doit continuer ses efforts pour réduire et arriver rapidement à sortir de cette situation se porte à hauteur plus des 38 millions ou 39 millions. Alors justement, excusez-moi, 38 millions, c'est énorme quand même. Comment une ville comme Pointe-à-Pitre a accumulé autant de dettes? Si, ça s'explique de plusieurs façons. D'abord, par exemple, dans ces 38 millions, vous avez 6 millions de prévisions de majoration, de construction qu'on n'a pas encore faite. Donc, ça reste très, très... 6 millions. C'est 6 millions, mais ça reste très putatif. Mmh. Bon. Sur ces 36 millions, il y a 6 millions de taxes d'habitation qu'on nous sort maintenant, qui sont peut-être une réalité, si la Chambre régionale des comptes dit, elle les a trouvées dans les comptes du trésorier payeur public, je n'en doute pas. Nous disons simplement, si on nous les sort maintenant, nous allons les inscrire, mais nous allons travailler, aller voir, j'allais dire, habitation par habitation, où, quand et comment ces 6 millions ont pu se constituer, et si on peut revenir dessus. Donc ça, c'est une deuxième étape. Il y a nous avons, par contre, je vous ai dit que sur la rénovation urbaine, nous avons, au bout de 75% de réalisation, nous estimons que notre dette dans la rénovation urbaine, qui porte quand même sur 500 millions, notre dette actuelle est de 6 millions qui correspondent à ce qui reste à payer pour les aménageurs. Vous savez que ce n'est pas le service de la ville qui aménage le quartier dans le projet de rénovation urbaine. Donc il y a ainsi toute une série de dettes dont on voit bien comment la construction a pu se faire. Il y a dans ces 35 millions les recettes non recouvrées par l'État depuis 1985 qu'on nous demande aujourd'hui de régulariser. Elles sont prescrites. Non, elles ne sont pas prescrites. Voilà, en tout cas, sur ces recettes non perçues, il y a 30% qui relèvent de dettes d'institutions publiques. Mm-hmm. Ça peut être l'État, ça peut être le département, mais également, ça peut être 1 million qui relèvent d'établissements publics qui ne sont pas d'établissements d'institutions. Et puis, il y a 1 million de dettes, quelqu'un qui n'a pas payé un loyer, qu'on a poursuivi, mais qui n'a pas vu, quelqu'un qui avait un loyer, par exemple, qui occupe un appartement dans un logement pour l'éducation nationale, par exemple dans une école, à un moment donné elle ne paye plus, la poursuit, on ne peut pas l'expulser, donc il y a comme ça une série de dettes qui s'accumulent. Voilà un peu comment se constitue un ensemble de choses. Qui a laissé courir ces dettes-là, ces dernières dettes dont vous nous parlez, là, qui a laissé courir, qui a laissé... Je voulais dire la faute est à... Il faut aller chercher votre argent. C'est ça, parce qu'il faut. Vous devez chercher votre argent, vous devez bien essayer de retrouver les gens qui ont laissé filer pour. C'est la priorité. Je ne suis pas là pour renvoyer la faute aux autres. Non, c'est pas une question. C'est essayer de voir où ça a fauté, parce que vous en aurez besoin de le savoir, de toute façon, à pouvoir rectifier le tir. Comment dirais-je encore ? Je ne veux pas renvoyer, dire que c'est la responsabilité. Chacun a une part de responsabilité, ce n'est pas simple. Prenez le cas, par exemple, du recouvrement des recettes de la ville. Toute ville, elle émet des recettes, et puis elle dit, voilà, je fais une recette pourtant, je vous ai loué ce studio, j'envoie un titre de recette, et le recettier doit l'appliquer. Mais il a des milliers de situations comme celle-là.
Ensuite, il doit, pour pouvoir exercer là, cela, il doit avoir un certain nombre de moyens. Vous avez bien vu qu'au fil des années, les moyens donnés aux directions des finances publiques, oui, que ces moyens ont été réduits. Vous n'avez pas les moyens pour récupérer les factures, en fait. Ce ne sont pas nous qui avons ces moyens-là. Ces moyens, c'est les finances publiques. Et les finances publiques, elles ont leurs difficultés également. Donc, c'est difficile de jeter la pierre aux uns aux autres. Et dans cette part, nous avons notre responsabilité à nous, ville de Pointe-à-Pitre. Nous avons notre responsabilité dans l'organisation de notre administration, dans la performance de cette administration. Mmh. C'est la raison pour laquelle l'une des réponses que nous faisons dans les demandes qui sont faites par la CRC, et pour lesquelles, je veux dire, en plus que nous sommes un peu d'accord avec eux de ce point de vue-là, c'est de réorganiser notre administration et nous y répondons. C'est pour ça que là aussi, je ne veux pas dire qu'on ne fait rien, oui, de ce point de vue-là. Justement, quelles sont vos marges de manœuvre? Quel levier pouvez-vous actionner pour retrouver, j'allais dire, une trajectoire plus vertueuse? D'abord, vous avez raison d'insister sur le fonctionnement. Ce qui est essentiel pour une ville, c'est comme pour un ménage, c'est dans un mois de dépenser autant ou moins que ce qu'on reçoit comme enseignement. Il y a de fortes contraintes sur la ville parce que c'est une ville centre, parce que c'est une ville capitale, c'est une ville qui pour laquelle il y a la moindre exigence, la moindre personne qui vient de quelque endroit de l'archipel et qui traverse Pointe-à-Pitre. Si elle voit un trou, elle veut que tout de suite on aille sortir de l'argent pour pouvoir payer une entreprise 5000 euros pour boucher le trou immédiatement. Et c'est ça, parce que nous avons 30 à 50 000 véhicules, nous avons un nombre de contraintes. Moyennant quoi, nous avons mis en place un plan de redressement, un plan de fonctionnement, et nos services travaillent avec beaucoup moins, font des efforts. Je viens de vous dire que nous avons gagné 6,4 millions d'une année à une autre sur le fonctionnement. Voilà comment nous allons corriger et faire en sorte d'équilibrer les dépenses par rapport aux sorties. Il restera donc deux postes essentiels, si vous le permettez. C'est que d'une part, il faut, sur cette base-là, qui est une base relativement minime, malgré tout, assainir les dettes que nous avions parmi les points que je n'ai pas abordés, mais que je ne cache pas. Il y a également la dette aux entreprises, parce que les entreprises 8 millions, c'est ça? On en est à plus maintenant, hein. C'était 8 millions fin 2017. Nous baissons la dette aux entreprises, au contraire, nous les avons régularisées. C'est la raison pour laquelle c'est toujours trop, même si pour une entreprise, sortie, c'est énorme. Après, c'est les délais de paiement. C'est pas 8 millions à une entreprise, c'est 8 millions à des dizaines d'entreprises. Mais des délais de paiement toujours très longs. Alors, nous avons réduit les délais de paiement. Nous avons commencé par quoi? Nous avons commencé par payer les factures qui étaient en attente depuis un an et demi, deux ans, etc. Et aujourd'hui, nous avons réduit ce délai. Et nous avons choisi, il y avait plusieurs tactiques qui étaient abordées par nos services, soit de ne pas payer certaines entreprises pour payer les autres, soit de payer tout le monde au fur et à mesure, par petite portion, si on peut dire, pour faire en sorte que toutes les entreprises soient prises en compte et que nous réduisons nos délais. Maintenant, nous sommes en capacité donc maintenant d'arriver au paiement des entreprises pour les charges faites l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il y a cela, et nous avons le souci d'arriver à corriger cela. Avant, il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile parce qu'une ville qui avait plus de moyens était en capacité de répondre à l'urgence et disait à une entreprise, quelquefois d'ailleurs, elle bousculait les protocoles pour dire à une entreprise, on a un problème urgent, on a une route, regardez ce qui s'est passé, l'école a fermé, il faut m'apporter une solution. Cette richesse de la ville permettait de dire, mais vous serez dans les mois qui viennent, on aura des entrées supplémentaires qui vont permettre de le faire. Au jour d'aujourd'hui, où les recettes pour les villes deviennent ric-rac par rapport à leurs dépenses, cette marge de liberté est plus réduite, et ça nous oblige à faire des efforts que nous faisons et que nous continuerons de faire, parce que nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons avec nos services, prendre encore un certain nombre de mesures de façon à ce que ce soit encore plus drastique. Pas d'augmentation des impôts? Non, parce que, à mon sens, ça n'aurait vraiment qu'une vocation politique.
quelle augmentation ? Premièrement, la taxe d'habitation disparaît bientôt, il reste la taxe foncière. Quelle augmentation de la taxe foncière permettrait d'apporter suffisamment de marge pour pouvoir répondre aux besoins ? Ce n'est pas là que nous allons chercher cela, d'une part. La deuxième chose, et ce que je dis, c'est que l'augmentation de la taxe foncière aurait un effet désastreux eu égard aux bénéfices que nous récoltons aujourd'hui d'une politique que je mène depuis 10 ans et qui fait qu'aujourd'hui, l'endroit de Guadeloupe où il y a eu le plus de transactions immobilières, l'endroit de Guadeloupe où il y a le plus de demandes sur l'immobilier, l'endroit où le privé, après justement l'apport que nous avons fait grâce à la rénovation urbaine pour transformer les quartiers, y compris dans l'hypercentre, y compris dans la zone la plus défavorisée, la plus sinistrée économiquement parlant de la ville de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire entre le marché central et les quais, et bien c'est à cet endroit qu'il y a le plus d'investissements privés. C'est là où depuis un an et demi, il y a une accélération des ventes. Je ne veux pas envoyer à ces propriétaires qui viennent justement apporter de la diversité sociale sur notre territoire. Je ne veux pas leur envoyer un mauvais signal en disant que nous faisons une augmentation d'impôts, alors que nous pouvons corriger cela, même si ça doit prendre une année ou deux de plus. Oui. À combien se montent vos recettes fiscales chaque année, juste pour avoir un ordre de grandeur? Je crois que c'est de l'ordre de 10-11 millions, mais là, vous faites, faites-moi grâce de ne pas avoir le détail au centime près de toutes les de tous les chiffres, mais c'est à peu près de cet ordre-là, 10-11 millions. Ce sont des recettes fiscales qui n'ont pas augmenté dans le temps ces 10 dernières années. Elles sont restées stables. Nous n'avons pas majoré les taux. Elles sont même légèrement diminuées parce que les bases ont été révisées à notre demande sur certains secteurs pour faire en sorte que justement il y ait une meilleure justice fiscale, et c'est ça que nous souhaitons voir maintenir comme politique fiscale sur la ville. Après, nous avons d'autres pistes, comme celle avec mon collègue Mehdi Keïta sur justement des zones duty free sur la ville, etc. Et qui porteuses de recettes. André Jean Vidal, une avant-dernière question avant de passer à la suite de l'émission. Pointe-à-Pitre, pour moi, c'est la ville des contrastes. Alors, d'un côté, j'entends des gens qui se plaignent toujours. Ah oui, mais c'est sale, à les trottoirs, à la chaussée, ah, il y a des trous, il y a ci, il y a là. Et d'un autre côté, il y a des rats, voilà. Parfois, j'en vois moi aussi, puisque j'habite là. Mais bon, voilà, c'est dans toutes les villes. Et puis, en plus, c'est un port, faut pas l'oublier. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu, mais pas trop. Hein, pas trop, hein, d'accord. Et d'un autre côté, je constate qu'il y a de plus en plus d'immeubles de maisons qui se vendent, qui sont achetés, qui sont rénovés, vous entreprenez des constructions de logements sociaux, là où il y avait des dents creuses, maintenant on voit apparaître des immeubles soit de qualité. Alors, comment concilier tout ceci? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, puisqu'on a une volonté de développement et d'embellissement, disons-le. Ouais. Avoir aussi trottoir, chaussée, quoique, devant la sous-préfecture, de l'autre côté, du côté du palais de justice, tout ça, maintenant, ça y est, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Et félicitations, je vais vous dire, Jacques Bangou, pour le Dars. Très bien, mais voyez. Donc, il y a un truc positif quand même. fameux. Mais je ne doutais pas que mes interlocuteurs soient fois en mesure de me questionner sur les questions difficiles, mais l'honnêteté de reconnaître ce qui est logique. Mais ça me permet quand même d'illustrer ce que nous venons de dire. Sur, par exemple, les chaussées. Nous avons eu une fin d'année dernière, entre le mois d'octobre et le mois de décembre, extrêmement difficile. Les chaussées étaient défoncées. Il y avait eu une situation pluvieuse énorme. Je sais que j'ai un budget en déficit. Vous pensez bien que ce n'est pas au moindre trou et après chaque pluie que j'allais remettre 5000 euros de bitume qui repartirait le lundi d'après, qui recommençait. Okay. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons procédé, nous avons vu avec nos partenaires tout ce qui concernait les travaux structurels qui étaient faits, en particulier la reprise des réseaux. On oublie de dire que Pointe-à-Pitre est le seul endroit de Guadeloupe où il n'y a pas de coupure d'eau. Et pour cela qu'il faut entretenir le réseau, il faut faire des travaux. Et là où ça a été fait, nous avons fait en sorte qu'il y ait une réfection complète de la chaussée. C'est ce qui vient de se faire à la rue Vatable. Voilà. Nous avons, et je profite pour le remercier, le président de la région a fait le reproche de ne
l'avoir pas remercié pour les travaux qui ont été faits au droit de la plaine Michel Benjamin, mais c'est l'occasion pour moi de le dire. Oui, nous avons, c'est une bataille que nous avions avec la région en 10 ans et le département. Entre une bretelle départementale et une bretelle régionale, il y avait un tronçon qu'il était difficile de demander à la ville de prendre en charge. Ça y est, de Guadeloupe l'a fait, et nous avons à peu près de 500 000 euros de travaux de bitume qui vont permettre, dans les jours qui viennent, passer devant la sous-préfecture. Donc nous le faisons, mais nous le faisons de manière rationnelle, sans chercher et sans en évitant plutôt que ça aggrave le budget. Et puis l'autre chose sur la question de la ville, mais c'est tout ce qui fait le charme de la ville, et c'est ce qui, en même temps, fait ma désespérance quand je vois l'acharnement de ce qui a pu être dit l'année dernière, parce la semaine dernière, oui. Parce que nous avons une ville qui bouge, qui explose, qui est le croisement de beaucoup de projets, cœur de ville sur lequel nous avons un appel à projet qui se termine dans une semaine et qui va permettre justement de donner une couche supplémentaire. Il y a la part de Caruquet-Rabé, il y a les efforts. Nous avons perdu une partie de nos richesses en donnant la partie, l'ancienne taxe professionnelle à l'agglomération dans un choix volontaire qui s'est construit avec le maire Éric Jalton il y a 10 ans pour construire cette agglomération. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure d'en recueillir l'usufruit parce que maintenant, dans les semaines, dans les mois qui viennent, on va pouvoir aborder les chaussées, les trottoirs dont vous parlez, monsieur Jean Vidal, sur la partie commerciale, parce qu'on n'allait pas aggraver sur le compte des 16 700 habitants de la ville, aggraver sur leur seul impôt cette prise en charge globale. La ville se transforme. La ville continue de se transformer. Vous avez raison de dire qu'elle est belle. Vous avez raison de dire qu'il faut continuer de se battre contre les scories. Et sur la question de du nettoyage que je n'évite pas. Au contraire, nous avons vis-à-vis du nettoyage déjà, c'est une compétence qui est passée à la communauté d'agglomération, qui a beaucoup de difficultés à faire face au défi d'incivilité qui se passe. Oui, je peux vous montrer, nous avons sur les réseaux, je veux dire, les opérateurs qui passent jour après jour, et à l'endroit où il n'y avait pas une décharge, où c'était particulièrement propre la veille, le lendemain matin, vous voyez des décharges. Et beaucoup de ceux qui font le reproche du caractère pas suffisamment nickel de nos espaces, beaucoup de ceux-là contribuent par la gestion de leur entreprise et la manière dont ils créent des dépôts sauvages subites, et bien ils contribuent à cette difficulté. Mais ça ne veut pas dire que nous n'y arrivons pas, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas mettre les moyens. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Est-ce que vous êtes prêt? Ah, c'est à moi que ça s'adresse, oui. Eh bien, top chrono, c'est parti. Première question. Il y a une pétition actuellement en cours pour votre démission. Que répondez-vous à cela? Lorsqu'un opposant ne se sent pas suffisamment fort pour aller gagner la confiance de des citoyens par le suffrage universel, eh bien, il essaye de faire tomber son adversaire par d'autres moyens. Vous êtes candidat à prochaines élections? J'exprimerai ça, je l'ai déjà dit, mais je l'exprimerai ça parce que la donne a changé, non pas parce qu'il y a quelques mois j'avais envie d'y aller pour conduire l'équipe pour poursuivre et achever les travaux maintenus, mais en même temps j'ai envie de passer à autre chose. Mais là, ce qui vient de se passer la semaine dernière, cet acharnement qui a été fait et les réponses que la population me donne face à cela me donne envie effectivement de montrer qu'il faut y aller pour maintenir les objectifs politiques, de politique sociale, de politique de transformation, de construction de la ville. Donc ça me donne envie d'y aller. Je m'exprimerai dessus quand ce sera le temps, quand ce sera arrivé. André-Jean Vidal. Chaque fois que la Chambre régionale des comptes émet un avis, certains élus disent petit A, que les magistrats sont aux ordres de l'opposition, petit B, que ce sont des incapables, petit C, qu'il y a des spécificités locales. Vous dites qu'il n'y a pas de contrôle. Aucun de tout ça. Aucun des trois. Et
Comment se fait-il que vos réponses n'aient pas, parce que vous répondez chaque fois, vos réponses n'aient pas été entendues? Comment l'expliquez-vous? Je ne saurais donner d'explications qui soient des explications. Vous êtes étonné quand même. Des explications subitatives. Il y a des. Je suis étonné. En particulier, j'ai été étonné. J'estime être quand même fondé de dire, dans toute honnêteté, que le principe de contradictoire n'a pas été très respecté dans l'esprit de ce que moi j'imagine, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi on a eu une rencontre que j'ai trouvée, j'étais rentré auprès de mes services en disant j'ai eu une très belle discussion avec le commissaire lorsqu'il est venu me présenter ses premières conclusions, on va lui faire un ensemble de remarques, mais dans l'ensemble nous avons eu un échange, donc ce n'est pas cela que je conteste, mais il faut qu'il y ait une volonté de débat contradictoire. Écoutez l'autre, oui. Et puis, vous avez vu, moi je me réjouis que la Chambre régionale des comptes ait accepté deux des remarques fondamentales que nous avions faites sur le projet précédent. Oui. Donc c'est quelque chose qui se construit. En même temps, j'accepte que la Chambre régionale des comptes mette le doigt là où ça fait mal en disant écoutez, là vous n'êtes pas bien organisé, là vous avez fait un effort, faites-en plus, etc. Donc moi, c'est dans cet esprit-là que je m'inscris. Il se trouve que la première fois, et surtout la semaine dernière, je veux dire, on m'a un peu jeté en pâture, mais ce n'est pas faute que de la Chambre régionale des comptes. Je pense que une fois ce mauvais dialogue, en tout cas une fois la temporalité des échanges mal venue, ensuite il n'y a pas de doute que c'est me jeter en pâture sur les trois points que vous avez dit, je n'en relève aucun. Il nous reste exactement 1 minute 44. Thierry Fenderé, une question. Jacques Bangou, la ville a fait l'acquisition il y a quelques années de terrains achetés aux mains de la SEDEG, je crois pour une valeur de 19 millions d'euros, je crois, c'est bien ça? Valeur actuelle, 19 millions. Finissez votre question, parce que là, je ne suis pas sûr de pouvoir... Ces terrains, vous les avez cédés donc à la SIG, à l'euro symbolique, dans le cadre de la rénovation urbaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, comment, lorsqu'on est en difficulté, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Non, ça c'est une... Je vois que vous êtes sensible à une remarque de l'opposition, mais... Non, pas du tout, pas du tout. Mais permettez-moi Tirez du rapport. Exactement, s'il vous plaît. Dans la rénovation urbaine, dans la première rénovation urbaine, la ville a eu un opérateur qui est la SODEG, qui a pour la ville, je vais dire, assaini, drainé, créé le quartier Lauricis, créé le quartier de Grand Camp, et ensuite ces terrains sont revenus aux villes respectives, et ça c'est tout à fait normal. Dans l'opération de rénovation urbaine, en gros, c'est quoi l'opération de rénovation urbaine? Mais ça prendra plus d'une minute, je suis désolé. C'est 500 millions de travaux faits sur la ville. Sur les 500 millions de travaux, il y a 90 millions apportés par l'État à travers l'ANRU. Il y a 63 millions qui sont demandés comme effort de la collectivité. Nous sommes en 2006. Et ces 63 millions, la ville dit, moi, je vais chercher des partenariats et la région et le département que je remercie apportent pour l'un 3 ou 4 millions, pour l'autre 30 millions. Et donc, ce qui reste en 2006, ce sur quoi la ville s'engage en 2006, c'est apporter 30 à 33 millions. Et la ville dit en 2006, sur ces 33 millions, je n'ai que, bien sûr, apporté sur 15 ans, même sur 15 ans, je n'y arriverai pas. Par contre, je suis en capacité, je m'engage à apporter 4 millions d'apports d'investissement financier, mais par contre d'apporter 27 millions de valorisation foncière. Donc c'est inscrit dans la première convention. Ce qui change depuis, ce qui a fait l'objet d'un échange, mais encore une fois sur lequel la Chambre régionale des comptes nous a donné un avis qui partiellement nous satisfait, c'est que en 2014, l'ANRU et l'État sont venus dire on finit, on clôt à l'échelle nationale les opérations de rénovation urbaine. Entre-temps, les règlements internes de l'ANRU ont changé. Il faut qu'apparaisse cet apport de la ville. Vos terrains valent
27 millions. Non, c'est pas. Non, c'est 27 millions. Ah. Vautirey va 27 millions. Non, mais je vais expliquer après pourquoi. Vautirey va 27 millions. Il faut qu'ils apparaissent dans. Nous, ça nous était égal. Dès lors qu'ils sont, ils étaient inscrits en entrée et en sortie, ça nous était égal. Bon. Les 19 millions dont vous parlez, ils viennent de quoi? Une fois que la Chambre régionale des comptes a admis qu'on n'allait pas mettre ces 27 millions d'apport total de terrain en dépenses, ils nous ont dit on va comptabiliser ce que vous avez déjà transféré, c'est l'équivalent de 19 millions. Et ils nous demandent sur ces 19 millions, non plus de les inscrire en dépenses d'investissement, mais faire de l'amortissement en dépenses de fonctionnement. Vous voyez combien le médecin, le maire que je suis, a dû travailler pour pouvoir absorber et assimiler. C'est technique, mais au moins c'est clair. C'est technique. C'est très technique. Merci, top, c'est fini. Les 5 minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV, l'émission continue juste après cette petite pause.